Sois le bienvenu. Je suis Giantea, le maître de Carlos. Le maître de Carlos. Dis-moi. Ne nous serions pas déjà rencontrés à Illumis à Port-Tempère ? J'en ai la quasi-certitude. Ce qui voudrait dire que tu es le protégé de ce cher platane. Hé, hey, oh, je suis incorrigible ! C'est toi qui as arrêté la Team Flare avec l'aide de ton équipe ! Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. Tu nous as tous sauvés. J'ai tellement hâte de voir jusqu'à où ton équipe et toi êtes capables d'aller, avec tout ce chemin que vous avez parcouru. Vous êtes des étoiles en devenir. C'est parti! Et contrairement à ses congénères, elle a bien 6 Pokémon, donc une équipe complète. Vaillant Tornado qui a résisté. Un Dragmara, c'est un des deux fossiles qu'on avait pu récupérer. J'envoie Fougère, dans le doute. Niveau d'écart quand même. J'aurais pas pu résister. Elle m'envoie Erexilus. Diplodocus, ça. Ah, je vais prendre cher, là. C'est ça qu'on veut voir. Kaidev est de retour. On va tenter un kit ou double. Et c'est passé. Non, putain, le coup critique. Ça, c'est vraiment pas de bol. C'est un double KO.
En chitrouille, je sais pas ce que c'est. T'es vol, hein, et puis on verra bien ce que ça donne. Ah, m'a bien brain. Va falloir que je fasse des rappels en masse. J'ai pas testé s'il y avait des ROM hack. Ou les dresseurs avaient des rappels et genre de choses. Très bien. Cette fois, c'est à mon tour de t'avoir. Et tu t'endors. N'empêche, faut m'expliquer comment il a pu éviter l'attaque en dormant. Eh, un métronome, tu nous fais un truc magistral. Pas explosion. Mais il dort déjà. Bam! C'est ça que je voulais faire. Soit. Ah bah, coup critique en plus. Sachant qu'il y a, que le Dragman va pas tarder à s'endormir. Voilà. Elle avait pas déjà utilisé une guérison? Techniquement, je devrais le prendre de vitesse et pouvoir attaquer plusieurs fois. Exactement. Devoir tout donner. Bien ce qui me semblait, ça va être un final méga évolué. Thank you.
Ça, c'est moche. Oh non, il paralyse en plus, attaque! Va pas y résister du coup. Ce sera bien battu. Où est la brûlée? Coup critique. And this is it. Au pire j'ai Draco Griff, hein, donc vitesse extrême, c'est une attaque que j'aime bien. Quel bonheur que de pouvoir vous admirer, toi et ton équipe, vous impliquer de tout votre être. Comment ne pas être subjugué par ce spectacle ? Ah. Je suis saisi par l'émotion. Les mots me manquent. Je suis vraiment privilégié d'être maître et d'avoir vécu un moment aussi intense. Les Pokémon et toi êtes faits de l'étoffe dont on fait les rêves. Ce cher Platane m'a dit qu'il était occupé à divers préparatifs dans Illumis pour notre nouveau maître, si j'ai bien compris. Quoi qu'il en soit, Vandal, voudrais-tu te donner la peine de me tenir en compagnie encore un peu? Cet espace si grandiose et solennel est celui du Panthéon. C'est ici que sont commémorés les dresseurs et leurs Pokémon qui, au cours de leur passage à la Ligue, ont fait preuve d'un talent à nul autre pareil. Leur éclat brillera pour l'éternité. Viens, Vandal. Il est temps de préserver maintenant et pour toujours ton amour des Pokémon et la force avec laquelle ton équipe te l'a rendu au fil des combats. Ah là là! Mais quelle équipe! Quelle équipe incroyable! C'est moi! Quelques jours plus tard, la foule s'était réunie à Illumis pour célébrer les défenseurs de Kalos et le nouveau maître de la région. Ah, c'est la musique qu'on a au début!
Quelle surprise! Même moi, je ne pensais pas que tant de monde serait au rendez-vous! Et voici l'insigne de Kalos en récompense pour avoir vaincu la team Flair! Vous êtes fabuleux! De la part de tous les habitants de Kalos, je souhaiterais vous dire... Merci! Combat-moi. Je veux comprendre ce qu'est un dresseur. Ce n'était pas fini. AZ, hein, c'était le géant qu'on a eu l'occasion de croiser juste après la défaite de la team Flair. Il n'y a que 3 Pokémon, c'est curieux. Par contre, je sais pas s'il y a des objets de sang ou pas. Un Golemastoc. On va finir avec Strong Spirit en méga évolution. Quand même leur montrer au public ce que c'est qu'une méga évolution. Ah, d'accord, ça ne marche pas. Ah bah oui, je crois qu'il est ténèbre. Oh bah juste, je pourrais pas le toucher. Bon bah c'est pas grave, j'aurais montré ce que c'était qu'une méga évolution. Ah, je sais pas s'il est ténèbre ou spectre. On va tenter de le mordre. Soit, hein, je vais. Ça va être la même arnaque qu'avec l'espèce de citrouille d'Halloween là. J'ai plus son nom. Et bim! Moi, il a retrouvé le sourire. Merci d'avoir répondu à ma demande. Je suis enfin en paix. Libéré de ce passé qui me hantait. La construction de l'arme suprême. Gonfle la bébé. Enfin, je crois. Floette. Ah, ça doit être ça le Pokémon. Cela fait 3000 ans. Déjà.
son Pokémon l'attendait depuis tout ce temps. Il attendait qu'il redevienne l'homme qui aimait tant les Pokémon. Passe rouge du début de l'aventure. On va un petit peu laisser les crédits, enfin on les a déjà bien laissés défiler. Mais quand même, voilà, la boucle est bouclée, hein, si je puis dire. L'aventure qui avait commencé le 24 février 2016. 2016 quand même. Et elle s'achève le jour où vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, c'est toujours un régal de faire cette aventure de Pokémon Y. Je vais pas faire la capture hein, des Pokémon légendaires, c'est... Et également les enquêtes de Belladonis hein, en complément. Mais je préfère dire que le let's play de Pokémon Y, du début jusqu'à la fin de l'aventure, est clos. Ça a été une belle aventure, quand même. Ça a mis son temps. Les moments où je filmais, de temps en temps je ne filmais pas, mais l'essentiel, c'est que c'est terminé. Que vous l'ayez suivi ou que vous resuivez l'aventure à votre guise, à votre rythme. Mais en tout cas, Pokémon Y, ça va être terminé après ce générique. Il restera plus que Silent Hill 3, dont il faudra s'occuper, pour que je puisse... dans un certain sens, conclure l'aventure des let's play sur la chaîne YouTube Vandal Nabilo. Mais la chaîne ne sera pas totalement inactive, hein, ça je le dis dès à présent. Il y aura juste peut-être des rediffs de stream Twitch que je pourrais faire. Hein. Et peut-être également des vidéos un petit peu random que je fais avec les copains sur Left 4 Dead 2, sur... Dans n'importe quel délire, ça peut être tout et n'importe quoi, mais plus de let's play, il y a une chaîne qui sera consacrée au let's play, hein, qui a déjà commencé, qui est d'ailleurs... qui va être mise en description, hein. Je le dirai jamais assez. Lisez les descriptions, c'est important. Chaque créateur met des informations importantes dans la description. Donc, n'hésitez pas à déplier, à voir si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc pour l'instant, il y a également des petits sous-titres qu'on ne voit pas, mais je vais vous les lire en temps réel. Gardons-nous de dérober ce qu'il faut laisser grandir. Laissons donc s'épanouir les fleurs de la bonté. Concrètement, il y a juste un focus hein, sur l'écran principal. Offrons tout jusqu'au jour où chacun pourra s'ouvrir. À un monde où plus personne ne sera étranger. Là où nos chemins se croisaient par pure chance, peut naître un monde qui fera toujours sens.
sens. Un monde où la chaleur nourrit par la gratitude nous fera tous oublier les hivers les plus rudes. Où donner fera battre le cœur de l'humanité. Au fil des vies, au fond des gens, dort un futur, miracle du printemps. Au fil des vies, ouais, c'est la musique, au fond des gens, pour les limite chanter, mais je suis très mauvais chanteur. Dort un futur, miracle du printemps. Qui c'est qui ? Et après... Mais en tout cas, je note les petits dessins sur le fond de générique sont vraiment très beaux et on voit la maison où tout a commencé. Hein. Le jeu est sorti en 2013. Eh bien. Et voilà, c'est terminé. L'aventure de Vandal sur Pokémon Y s'achève en même temps que cette vidéo. J'espère que cette vidéo ainsi que toutes les autres qui ont composé ce let's play vous aura plu, que vous avez pris du plaisir à suivre ce let's play, soit d'une traite ou à votre rythme, peu importe. Ça a été un vrai plaisir de le faire, malgré un rythme totalement décousu. Je prends toujours autant plaisir à faire cette aventure de Pokémon Y dans la région de Kalos. Il est temps pour moi de vous dire une nouvelle fois, portez-vous bien et à la prochaine pour peut-être de nouvelles vidéos ou pour une nouvelle aventure.